J'ai commencé en tant qu'étudiant chez Europe Assistance, donc juste pendant l'été et les week-ends pendant l'année aussi. Après les études, ça me plaisait autant que j'ai demandé à travailler fixe comme chargé d'assistance. Pendant un an et demi, j'ai travaillé en tant que chargé d'assistance et puis je suis passé à la coordination. Coordination pareil, j'ai fait un an et demi et depuis je suis team leader. Donc ça va faire bientôt un an que je suis team leader. Europe Assistance, Iris, oui, bonjour. On a eu un dossier en été avec une famille qui était 7 personnes, je pense, et donc la voiture est tombée en panne. Le souci était que le contrat ne couvrait qu'une personne, parce que malheureusement, ils ont pris un mauvais contrat. Et donc, c'est ces petites choses-là qui font que on aide les gens, mais toujours un petit plus, parce qu'on peut se retrouver dans n'importe quelle situation, qui font que voilà, normalement, on ne peut pas, mais on est tous des êtres humains et donc on comprend et donc on ne va pas laisser les gens en plan comme ça. Et donc c'est ça les petites choses qui font qu'on aime bien faire ce qu'on fait. Ce que je préfère le plus, ça sent un peu le cliché, mais malgré tout c'est quand même le fait qu'il y a beaucoup de diversité. Étant marocain moi-même, j'apprécie beaucoup le fait qu'on me respecte, ma culture, mes valeurs, etc. Mais du coup, j'ai aussi beaucoup plus de respect pour les autres, on va dire. Et donc, c'est une des choses que j'apprécie le plus chez Europe Assistance.